De ma soeur, pas de la candidate, je viens pour signer le protocole de Fanny. Le protocole de Fanny. Mais c'est lui qui signe le protocole. C'est le protocole de Fanny. Voilà, le protocole de Fanny. Parce que comme vous l'avez dit, seul vous ne pouvez rien. Il y a des choses, il y a une interférence entre le rôle et les pouvoirs de la mairie et les pouvoirs de l'autorité centrale. Ils font que sans leur appui, sans leur soutien, bien sûr, il nous sera presque impossible de faire ce que nous proposons. Ce que nous proposons est très ambitieux, mais bien sûr, il ne peut se faire qu'avec l'aval, pour ne pas dire la complicité de l'État. Donc, encore une fois, merci d'être venu nous voir. Nous allons vous montrer avec mon ami et patron, parce que c'est lui le patron de la Perle. La Perle rassemble des options, des protocoles comme ça. Parce que ce que j'explique toujours, c'est que le terrain à Fan Résidence est deux fois plus cher que si vous créez une île au large. Parce qu'il y a des endroits où l'eau n'est qu'à 1 mètre de profondeur. Et si vous le faites, ça vous revient entre 350 et 500 000 francs le mètre carré. Alors qu'ici maintenant, on est presque à 2 millions. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez voir, Madame le maire, est possible. Les gens l'ont fait à Dubaï, ils l'ont fait à Dubaï. C'est les mêmes que nous avons consultés. C'est les mêmes qui nous ont fait gagner les plages de la à Sali. C'est la même société. Nous sommes allés jusqu'à Amsterdam discuter et négocier avec eux. Donc tout ce que vous allez voir, tout ce que nous allons vous montrer est faisable. Nous en connaissons même le prix. Notre option de construire sur l'eau vient du fait que nous pensons qu'il faut créer de petits pôles ambitieux. Et c'est possible, madame. Avec des appartements. Et ça, il y a déjà, c'est des choses qui ont déjà fait un immeuble. On rembourse les 3 milliards qu'ils ont des amis et on le transforme en école d'architecture. Et on laisse la place à tout. Ça, c'est des spectacles sans lumière.
comme à Dubaï. Comme à Dubaï, la même chose. Alors ça, c'est l'île qu'on a baptisée Wonder Island. C'est sous la, la forme de la carte de l'Afrique. Que nous voulons faire aux Allemands. C'est la pointe la plus reculée de l'Afrique. Et voilà ce qu'on voit. Une île sous la forme de l'Afrique. C'est les appartements que vous voyez là qui vont financer toute l'île. Avec des espaces pour les jeunes. Là, on a mis le globe que vous voyez. C'est pour mettre une. Comment on appelle ça encore? Souvent, comment tu appelles ton truc là déjà? Le globe. Ah, technosphère. La technosphère. Avec une marina. Ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez organiser des régates, puissiez organiser des courses de voile entre Miami et Dakar, entre Las Palmas surtout et Dakar, pour que vraiment Dakar prenne la place qui devrait lui revenir. Et tout ça, c'est possible. Avec des restaurants, peut-être même un hôtel, des bars, etc., des enfants, des espaces pour les enfants. Donc ça, c'est le Baobab, qui fait 50 hectares. Et pour un coût d'environ, en France, c'est à peu près un milliard. Un milliard de dollars, vous êtes prêts de nous vendre 2 milliards. Vous pouvez le faire en 5 ans, 6 ans. Donc voilà. Ça, c'est le mémorial du Dola. Alors là, comme je vous l'ai dit, on a mis la carte de l'Afrique parce que, comme vous le savez, c'est la partie la plus reculée de l'Afrique. Et donc, on rend hommage à... Là, on est sur 150 hectares. Là, on est sur 150 hectares, sans compter tout ça. Hein. Uniquement le foncier fait 150 hectares, le tout fait à peu près 250 hectares. Y compris Madagascar. Bon, ici, on ne sait pas encore ce qu'on met, peut-être un grand restaurant, peut-être un hôtel, pourquoi pas. Donc voilà, là, c'est l'Empire des enfants avec la grande roue, une vraie grande roue comme à Dubaï. Et là, vous avez des appartements de très grand nombre. Et encore une fois, si on décidait de faire un truc de voile entre Miami, vous voulez, vous le savez, être relié à Dakar, être jumelé à Dakar, Las Palmas, où vous avez des milliers et des milliers de voiliers, on fait ça, ça se passera peut-être dans les 10 ans qui viennent. Mais c'est quoi 10 ans pour la vie d'une mère? Donc voilà. Et c'est du possible. Nous pensons, Madame le maire, que nous sommes dans votre rôle. On est des techniciens, l'île du Gang. L'île du Moko. Ça, c'est la cité des startups d'Afrique. Je suis simplement de décider qu'on va faire venir toutes les startups africaines. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc voilà, Madame le maire, l'ambition que nous souhaitions partager avec. Je vais vous parler d'économie positive. Vous savez ce que c'est que l'économie positive? L'économie positive, c'est que tout se pense en tenant compte de l'intérêt des générations présentes et des générations futures aussi. C'est bien. Voilà une solution pour le manque d'espace que nous avons à Dakar. Si on parlait sur la mer, je pense que ce serait pas réalisable. Et là, puisque c'est réalisable, l'auteur
est déjà en train de travailler sur un projet comme ça au Togo. Les gens doivent voir cette réalisation faite par le fils sénégalais. Pourquoi pouvons-nous fermer les yeux alors que nous avons un des nôtres qui le fait à l'extérieur? Ce qui se fait à l'extérieur doit se faire d'abord chez nous. C'est un exemple, un modèle qui faudra montrer à toute la France. En tout cas, moi, j'adhère à ce projet et j'en ferai le plaidoyer. Quelle que soit ma position, élue ou pas, je porterai ce projet. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu. C'est très beau.